Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coloriage, oui, encore. J'ai terminé aujourd'hui mon coloriage Steampunk. Ça y est, fini, terminé, c'est classé. Il me restait à faire donc sur ce coloriage le chapeau, le petit osio et le fond. Voilà. Donc tout est fait. Donc j'ai fait le chapeau, l'oiseau avec mes crayons de couleur Castel Art Souply, comme j'avais fait le reste. Hein. Et j'ai estompé mes couleurs, j'ai continué à estomper mes couleurs, donc à l'essence minérale sans odeur. Et le fond, donc j'ai, comme je vous disais hier, je réfléchissais encore de savoir comment j'allais faire. Et la nuit, portant conseil, ben j'ai décidé, comme je pensais hier, de le faire à l'aquarelle. Et ça fait très joli. Voilà. Hein? Oui, je me lance des fleurs. Hein? Mais au moins, je suis tranquille. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Non. Mais blague à part, oui, non, ça fait très joli avec justement le fond aquarelle et le personnage principal du dessin qui est comme ça, il ressort vraiment bien du coloriage puisque lui a, elle puisque c'est une dame qui est sur le coloriage, elle ressort vraiment bien puisqu'elle a été faite avec les crayons de couleur. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce coloriage que j'ai fait. Donc je vous l'ai fait en 3 jours parce que bon ben je voulais pas que la vidéo soit longue 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 là donc, du coup comme je vous le mets en vitesse rapide, donc du coup ça vous fait à peu près 3 vidéos de là aujourd'hui vous allez avoir à peu près une demi-heure. Hier vous avez eu 20-25 minutes, je ne sais plus, et 18 minutes. Bon, ça vous fait un petit 1 heure et demie de vidéo pour ce coloriage, mais en version rapide. Donc, moi, j'ai mis beaucoup plus de temps, bien sûr, pour le faire. Voilà, bon, j'espère que ça va vous plaire, que le rendu final va vous plaire également. Je ne sais pas lequel je ferai pour en suivre. 1, 2, 3. Le prochain que je ferai, voilà. Je ne sais pas si je vais prendre dans ma chinoise, je ne sais pas si je vais prendre dans le nouveau livre Luna. Je ne sais pas si je vais continuer sur le steampunk ou sur un autre, je ne sais pas encore. Bon là, de toute façon, j'ai d'abord un DP à terminer. Il ne reste pas grand-chose, hein, il reste ça à finir, donc je vais le terminer. J'ai mon DP. Mon DP. Oh là là, arrête de parler si vite, Edith, parce que là, tu t'embrouilles les mains. Le DP duo aussi avec Sylvie, que je dois continuer. Et puis j'ai encore d'autres choses à faire. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Je verrai. Comme je viens de vous dire, la nuit va porter conseil sur ce que je vais faire demain. Voilà. Puis c'est week-end. Donc, week-end, bon, je fais moins de vidéos le week-end, vous le savez. Donc, je verrai bien. J'ai une vidéo aussi à vous faire. Oui, bah, je vais peut-être faire celle-là. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais j'ai une vidéo à vous préparer là. Je vais vous laisser maintenant visionner ma petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du coloriage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Même si vous n'avez pas de questions, vous savez que je vous laisse toujours un message sous votre commentaire. Ça vous prouve que j'ai bien lu votre commentaire. Au passage, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Même les pouces comme ça, ils ne me gênent pas puisque ça me fait des vues sur mes vidéos. Donc, ça fait grimper ma chaîne. Voilà, donc les filles, surtout une qui adore mettre un pouce comme ça au bout de 3 secondes que ma vidéo est en ligne. 3 secondes, hein, j'ai déjà calculé.
juste pour me EM, hein, m'enquiquiner, voilà. Ça m'enquiquine pas, puisque de toute façon, ça me fait une vue sur ma vidéo. Et donc, ça me fait grimper ma vidéo. Voilà, c'est du temps perdu pour elle. Ceci dit, fermons la parenthèse, et moi, je garde toujours le sourire. donc voilà, mon petit programme de ce week-end, ce sera donc une vidéo que je dois vous faire. Ce sera du DP, je vais vous montrer. Et puis je ferai peut-être un coloriage. On verra. On verra mon humeur. Ce week-end également, vous allez avoir le. Ça va être les derniers jours là pour faire le concours de Diamond Painting. Parce qu'il va y avoir le tirage au sort. Donc faites vite. Parce qu'après, il sera trop tard. Voilà. Pour le concours du coloriage, pour gagner des cadeaux de coloriage, vous avez encore une semaine pour participer. Mais bon, ne tardez pas si vous n'avez pas encore participé. Mais c'est toujours en ligne encore pendant une semaine. Donc voilà, ben, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous souhaite un très bon visionnage. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.